Ouais. Ouais. Il fait ses petites ailes.
Ok, salut tout le monde, bien le bonsoir, c'est Xavier, ce soir avec moi il y a Soline. Bonsoir. Salut Soline, ça va? T'es contente d'être là? Bien sûr. Ouais, bon parfait, on va essayer de voir un joli match ce soir et de vous faire vivre un joli match ce soir de basket féminin en National 1. Le PVVC reçoit Orly pour le compte de la 9e journée, de la 10e journée même ce soir. Donc voilà, là, vous avez vu la présentation des équipes, tout le monde est rentré. Donc ce soir, réception de Orly. Orly, c'est 3 victoires pour 5 défaites. Donc contrairement à d'habitude, je ne vais pas vous dire que ce soir, il va falloir absolument gagner. Il va quand même falloir gagner, mais en face, on n'a pas une grosse pointure. Contrairement au dernier match qu'on a reçu. Orly, c'est deux filles, faire très attention, beaucoup d'agressivité, et deux filles, notamment Charlène Spasojevic, qui marque 18 points sur en moyenne. Elle a fait son maximum à 28 points contre Villeurbanne. Bon match, 28 points contre Villeurbanne, c'est la joueuse à suivre sur ce match. Une autre fille à suivre aussi, Olga Maznichenko, ukrainienne, à 11 points par match, qui peut faire un peu tout et n'importe quoi. Bonne shooteuse à 2 points, bonne shooteuse à 3 points. Donc là, d'ailleurs, c'est la même chose pour Charlène Spasojevic. C'est les grosses shooteuses à 3 points qui peuvent se créer des tirs, qui peuvent faire un peu n'importe quoi à n'importe quel moment. Donc, c'est des filles, si elles prennent feu, elles peuvent nous compliquer fortement la tâche. Globalement, Orly, c'est réputé pour être une équipe très agressive, très agressive, qui se bat tout le temps. Donc le match, c'est jusqu'à la fin, ce sera compliqué. PVVC, ce soir, tout le monde est là. Donc les 8 joueuses pro sont sur le banc. Donc c'est une bonne nouvelle, on est au complet. Le groupe est complété par Caro Champens et Lola Forest. Lola Forest pour sa première là avec l'équipe 1. Qui vient du centre, qui est au centre depuis bien 3 ans maintenant, je pense, et qui fait sa première là avec l'équipe 1 en fond de banc. Donc c'est bien le PVC qui continue à ajouter des filles en fait dans l'équipe 1 là pour leur donner des opportunités de se montrer. Voilà, les clés du match à mon avis c'est la stat. Orly marque en moyenne 60 points, le PVBC encaisse en moyenne 58 points. Donc normalement, si on reste dans les moyennes et qu'on fait le boulot ce soir, on devrait pouvoir voir une victoire à Chautard ici ce soir. Avant que le match commence, je voudrais faire un petit spécial dédicace à ma compagne qui me permet d'être là ce soir et qui me permet d'être là souvent les samedis soirs. Et qui garde notre petite fille. Donc voilà, dédicace à Camille, merci. Allez, on va pouvoir enchaîner. Soline, quelque chose à dire, non? Non, rien, on est bien là, hein? On est bien, on va avoir un bon match normalement. Allez, bon match les filles. Bon match. Bon match les filles. Bon match. Bon match les filles. Allez, Chautard, je vous montre quand même. Chautard est un peu moins plein que les derniers soirs. Mais belle ambiance quand même, belle ambiance quand même. Voilà, j'espère que vous avez tout ce qu'il faut là. Le popcorn, la bière, les sodas, tout ce qu'il faut. Calé dans votre canapé. On reçoit Orly, ouais, Orly, puisque cette année, le découpage de la N1 était fait différemment. Et du coup, on commence là à recevoir les équipes de la banlieue parisienne. Donc, nous recevons les Orlysiennes. Puisqu'on dit Orlysien, Orlysienne. Voilà, je me suis renseigné quand même avant de venir. J'ai bossé un peu mon match. Donc ce soir, les Voronaises reçoivent les Orlysiennes à Chautard. Allez, c'est parti, go, début du match. Ballon gagné par Orly. Ouais, ça combine au milieu et voilà, tout de suite, on cherche le tir à 3 points, je vous l'avais dit, Charlène Spasojevic, qu'il y ait la position ou pas de position, c'est pareil. Ok,
qu'il y ait des positions claires ou pas de positions claires, c'est les filles là qui vont pas trop se poser de questions. Allez, Dani Williams, Marine Moulumba. Ça combine, on ressort, on retrouve Oumou Touré dans la raquette pour 2 points. Shoot ouvert, shoot facile, il faut les mettre. Parfait, très bien exécuté. Grosse défense là de la part des deux meneuses varonaises. Et ouais, ça sort, ça prend pas les piques, très bien. Et shoot encore une fois, je vous ai dit, ça va pas trop se poser de questions. Et cette fois-ci, c'était shoot de l'Ukrainienne. Olga Zichenko, et 3 points. Qui c'est qui a marqué? C'est le 3 points de Dani Williams. Ah, merci, merci Céline. Dani Williams dans ses œuvres. Allez, deux équipes là qui se regardent pour l'instant. Les deux sont rentrés dans l'intensité. Allez, ah, Pierre Maul là pour Laure. Allez, bonne défense de Fabienne qui vient récupérer ce ballon. Allez, Laure, c'est pas grave, c'était un bon tir. Il fallait le prendre, très bien. Et Marine qui va provoquer dessous. Allez, c'est pas son. Disons que c'est pas là où on l'attend d'habitude. Donc c'est super intéressant de l'avoir aller au drive et d'aller shooter directement. Parce que là, du coup, si les équipes elles regardent un peu ce qu'on fait, elles vont se dire, ouais, mais attends, d'habitude, elle n'y va pas du tout. Donc bonne faute provoquée là par Marine qui se retrouve au lancer franc. Il y en aura un. Allez, allez, allez. Oh, et ce ballon qui ressort. Et on coupe. Encore un ballon touché. C'est bien là, l'énergie que mettent les Baronnais sur la défense d'entrée de jeu. Allez, ça va vite, on fait vite vivre le ballon. Et oui, oh, dommage. La balle qui ressort là. Bon tir de Dani Williams. Avec sa main gauche là qui est venue enrouler un petit ballon sur la planche. Et malheureusement, la balle est ressortie. Fait le tour du cercle. Allez, Fabienne Constant, Marine Moulumba, Dani Williams qui trouve Oumou Touré pour un petit shoot encore dans la raquette. Tranquille. Allez, les Baronnaises qui sont bien rentrées dans leur match là. Pas d'erreur, ça défend très très fort. On laisse pas tirer à 3 points, je vous l'avais dit. On a scouté là. Eh ouais. Allez. Alors, l'arbitre qui commence à demander le responsable de salle. Pour un problème technique de musique. Voilà. Allez, le jeu va pouvoir reprendre. Je pense que vous avez entendu le commentaire en direct de l'arbitre. Allez, balle baronnaise. Allez, au bout là, très loin, 3 points. On retrouve Dani. Fabienne, et ouais, là c'est la lecture pour Marine, elle sait faire. Très très bonne passe, excellent. Et dommage, là Fabienne qui vient, qui conclut pas à gauche, pourtant c'est son côté. Oh, excellent tir là. Très bon tir d'Olga Matichenko, la Bulgare, je vous ai dit, hein, c'est une équipe qui se posera pas de questions. Allez, ça défend. Ça défend fort là du côté d'Orly. Ouais, c'est dommage là, les joueuses sont bien en rythme. Et on est coupé par des, je ne sais quoi, des petits temps morts là, des petites coupures. L'arbitre qui, elle a un problème de bijouterie, petit problème de collier là. En N1, c'est quand même bien rare de voir de tels problèmes. Et elle est rentrée avec son collier. Ok, pourquoi pas.
Et là, du coup, ça hache un peu le rythme du match qui était bien parti. À chaque fois, il y a un petit quelque chose qui vient couper. Allez, c'est parti. Marine, elle drive, elle prend le milieu, facile, tranquille. Oh, Marine, là, elle demande la faute, elle estime qu'elle est touchée sur le tir, et voilà. Gros rebond, là, gros rebond offensif. Allez, je vous ai dit, hein. Charlène Vasojevic, là, elle va pas trop se poser de questions de la soirée. Hein. Dès qu'il va y avoir possibilité, elle va prendre le tir. Et à mon avis, c'est bien comme ça qu'elle a pu marquer son maximum, là, 28 points contre Villeurbanne. Parce que vu la défense de Villeurbanne, marquer 28 points, c'est quand même une très très grosse performance. Allez, post-up là pour Fabienne qui transfère, grosse balle sur Danny Williams. Laure drive à son tour. Allez, 4 secondes, il faut trouver un tir, Baron. Et non, fini. Exactement, Céline. Très bonne défense. On a su, elles ont su contenir là, les Voironaises. Et je pense que personne n'a vu le chrono là sur les 4 secondes. Alors, coupure à nouveau. Quentin Buffard qui demande une explication à l'arbitre. Et on va repartir. Marine de Persin. Oui. Ouais, bien. Marché. Bonne défense des Bornaises. Marine est venue l'orienter là et Fabienne a bien coupé au milieu. Et il y a les supporters orlésiennes dans la salle. Ah, Dani là qui rate dans son exercice favori. Dommage. Tir à 3 points. Et là, ça défend. On laisse ouais, step, ça sort. Il va falloir virer les au milieu. Très bien. Et là, shoot ouvert. Wow. Et oui, Fabienne fait faute là suite au rebond de cette grande numéro 11. Là, je cherche son nom. Aïcha Sidibé, 1m95, qui va forcément poser des problèmes dans la raquette. Et allez, c'est marqué. Match serré là pour l'instant. Ah, elle a mordu la ligne. Panier refusé. On voit des coups de sifflet là. Ils sont rares en N1 quand même. Allez, il faut que les Baronnais soient plus appliqués là sur leur finition. Fabienne qui vient faire un pic là, qui roule. Et il faut amener la balle dessous. Et ouais, il faut amener la balle dessous là, plus vite Oumou. Et bagarre là, Oumou, grosse bagarre qui vient chercher un shoot compliqué et qui met dedans. Laure là qui défend fort sur deux persins. Et ouais, là on empêche toute situation de shoot. On sait que c'est des shooteuses. Et voilà, ça fait la faute offensive. Très bonne défense là de Marine Moulumba. Là le scouting a marché à fond. Dès qu'en fait les joueuses d'Orly touchent un ballon à l'extérieur des 3 points, il y a tout de suite quelqu'un qui vient pour l'empêcher ou de prendre un shoot ou de prendre de la vitesse sur le drive. Sortie de Paloma Woods et entrée à sa place de Flora Eman du côté d'Orly. Allez. Très bonne passe là d'Olivia Yael qui vient de rentrer. Une excellente passe pour Fabienne qui était partie toute seule dans la raquette. Et la réponse là, et ouais, grosse bagarre dessous. Aïcha Sidibé là qui fait parler la taille face à Oumou Touré.
Et nouveau changement là à venir pour les Bornaises. Ah, ça sort un ballon compliqué là, Fabienne. Ça sort un ballon compliqué dessous. Et changement. Entrée de Lucie Carlier avec le mollet bandé. Sortie de Boutouré. Donc, je rappelle que Lucie, elle s'était fait un peu mal il y a deux matchs de ça. Elle n'a pas joué le dernier match à. Le dernier match à Écodin, pardon. Et donc du coup ça fait plaisir de la revoir là sur le parquet ce soir. Et changement, Cassandre Blanchon qui rentre à la place de Laure Mercier. Laure qui a fait une très bonne rentrée là en défense. Allez, remise en jeu. Cassandre qui tourne autour du pic là et ouais qui provoque la faute. Et là les Orlésiennes qui trouvent le coup de sifflet un peu rude. Encore pour cette faute sifflée. Allez, Olivia là qui prend le milieu. Ah, super passe de Cassandre. Cassandre qui sert la caviar à Fabienne. Encore une fois, Fabienne qui est passée dans l'axe et qui vient chercher ce ballon là pour conclure sur un double pas facile. Ah ouais, ça défend fort là. Allez, il faut se réorganiser du côté de Boron. Changement du côté Orly. Le retour d'Olga Massinenko et la sortie d'Aïcha Sidibé. Allez, balle Orly, touche fond. Ok, ça combine, ça sort. On joue autour des petites et ouais. C'était bien joué, c'était bien combiné là ce. Ce petit système là où ça vient ligne de fond derrière appeler la balle. Allez, là pareil, on vient au milieu. Eh ouais. Trop gourmande là, trop gourmande. Les Orlésiennes. Elle a pris la première intention, c'était pas bon. Et Cassandre là tout de suite aussi à 3 points, c'était un bon shoot. Dommage, ça rentre pas. Ah. Faute de Cassandre. Pris de vitesse là, qui a essayé de jouer la balle alors qu'elle était passée. Et première faute du coup. Changement, côté d'Orly. Sortie de Laurine de Persin. Et entrée de Leslie Magdelaine. Allez, touche fond à nouveau. Encore un nouveau système là, proposé par Orly. Ouais, non, c'est le même que tout à l'heure. Attention, la ligne de fond. Ouais. Elle a pas coupé là, heureusement qu'elle a pas coupé. La petite jeune là, Magdelaine. Ah, ça circule bien, et là il y a un peu d'imprécision dans ses passes. Quentin est en train de demander tranquille, tranquille aux filles, il a raison. On se précipite, du coup la précipitation fait qu'on a moins de précision. Alors qu'on est bien dans les déplacements, on y est. Allez, sortie pour Lucie Carlier à 3 points. C'était un bon tir, c'était un bon tir. Et rebond Fabienne Constant. Allez. On peut recombiner. Eh ouais, ouais, ça vient prendre la faute là. Dariatou, Tamboura pour la faute et du coup qui sort, qui laisse sa place, qui laisse sa place. Qui est-ce qui est rentré là-bas? Ouais, nouveau Onis. Emilia Orengue. Allez, c'est bien ça, Marine. Il faut prendre ses points là sur les lancers. Allez, presque. Ah, c'est un div tout terrain là pour les Baronnaises. Empêcher la balle de remonter facilement. Et ouais, du coup, on n'est pas mis en aide là. On n'est pas mis en aide. Ça, c'est un panier sans opposition. Allez, Castan qui relance du coup de l'autre côté. Remettre un peu de vitesse.
Et Marine là qui prend le milieu, Fabienne qui tente à 3 points aussi, elle est seule. Et ça rate, et ça bagarre au rebond, c'est bien Olivia Yann là, grosse bagarre, grosse bagarre. Et Bornez récupère la balle. 3 secondes encore, on a le temps pour travailler. Ici Carlier, oh, oh, grosse passe là, petite passe pocket. Petite passe pocket pour Fabienne Constant qui passait là, sous le cercle. Allez, ça défend, hein, ça défend même à 3 mètres de la ligne à 3 points, ça défend tout le temps, très bonne défense. C'est Cassandre là qui récupère, hey, Fabienne encore qui vient couper ce ballon. Hey. Là on se précipite un peu mais on essaye d'accélérer la balle, c'est pour ça on a un peu de déchets et ça se pose pas de questions. C'est Pasojevic là qui rate encore une fois un 3 points. On a regardé un peu les stats, mais je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de déchets là, pour le coup. Après, c'est son jeu, c'est comme ça. Allez, pique au centre. Et ouais, oh, elle l'a pas vu, dommage, elle a pas pu. Bon tir là, d'Olivia. Oh, le rebond aussi, le rebond. Pour Lucie Carlier, récupéré, passe de Cassandre pour Fabienne. Fabienne qui rate, dommage. Et les supporters d'Orly là qui donnent de la voix, qui réveillent un peu le chotard, enfin qui essayent plus ou moins. Ah, là ça défend dur là, hein. On se regarde, il n'y a pas beaucoup de mouvement du côté d'Orly. Et ouais, elle est obligée de prendre ce shoot. Et hop, rebond pour Fabienne Constant, ça relance. Bon, on joue pas, hein. On joue pas beaucoup sur la transition là. Même sans ça, on arrive à avoir des shoots ouverts. Dommage, c'est un bon tir ça, Olivia. C'est un bon tir, Oli. Voilà. Contrairement à Oli, là, hein, qui réaccélère les ballons, mais par contre, qui a beaucoup de déchets. Allez, Fabienne qui défend fort, là, même sur l'intérieur, même loin. Très bien. Ça coupe des ballons, ça se bagarre. Ouais, très bien. Et alors là, c'est trois changements d'un coup. Trois changements d'un coup du côté Voironnais. Allez, retour de Danny Williams, Moutouré, Laure Mercier sur le parquet de Chotard. Remettre un peu du sang frais pour les 25 dernières secondes. Là, ça va défendre fort. Je pense qu'il n'y aura qu'un seul shoot après derrière pour les Voironnaises. Allez là, pas prendre, faut pas le prendre celui-là. Eh ouais, ouais, bien, 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 ça compte. Ça relance, et non, on va essayer de jouer vite. Il reste 17 secondes, allez. Non, du coup, on calme le jeu. Je pense qu'on va aller chercher un tir. Voilà, ça step, c'est bien, ça revient. Ouais, au bout, là, le petit flipper, elle se bagarre. Et cette balle est sortie. Il restera 5 secondes. 5 secondes pour trouver un tir. Et Danny Williams toute seule. Ah, dommage. Ok. Et voici qui clôture le premier carton sur le score de 19-12. Un bon carton, un bon carton. On a du mal à... On a du mal à finir en fait du côté Voironnais. On a des occasions parce qu'on a des shoots qui sont libres, on a des shoots ouverts. Donc ça veut dire qu'on travaille bien en fait pour arriver jusqu'au shoot. Et par contre, on n'arrive pas à finir. On a pas mal de déchets sur la finition. Donc c'est ce qu'il va falloir corriger là un peu. Peut-être se rapprocher un peu, peut-être aller chercher des choses moins compliquées. Et du côté d'Orly, bah pareil, là, hein, beaucoup, beaucoup de déchets, beaucoup d'énergie, mais je pense des shoots un peu rapides. Après, voilà, c'est leur plan de jeu, c'est leur plan de jeu. Les soirs où ça marche, elles doivent pouvoir dépasser les 100 points. Et là, ce soir, c'est pas un soir où ça marche, voilà. Néanmoins, elles ne sont pas perdues, hein, puisque 19-12, il n'y a que 7 points. 7 points, ça va très vite. C'est 3 paniers au basket, ça va super vite. Céline, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a marqué sur ce premier carton ou pas? Les deux équipes proposent un très gros niveau défensif. Mais c'est, il faut juste pas qu'elle soumise sur les rotations en aide. Mais sinon, Orly va être obligée d'élever son niveau offensif si elle veut pouvoir proposer grand chose sur les deux extérieurs. Tout à fait, tout à fait.
Ah là, mais c'est vrai, là, on a encaissé 12 points. Je pense que Quentin et Bertrand ne sont pas forcément satisfaits. Pas tant d'encaisser que 12 points, mais sur la forme, en fait. Les 12 points qui sont encaissés, c'est des points qui sont largement évitables. Et comme tu le disais, sur une meilleure, sur des aides et sur la rotation derrière avec les aides, essayer d'améliorer cet aspect-là. Peut-être un peu plus d'énergie aussi, mettre un peu plus d'énergie dans tout ce qu'on fait. Allez! Ok, alors Charlène Spasonojevic est sortie là du côté d'Orly. Pour la reprise de ce carton. Allez, Laure, sur la périphérie qui rend. Ouais, bien ça, la fin, bonne fin ça, Olivia, dommage. Et Orly qui rattaque là sur un drive, ouais. Ouais. Ah, je pense. Gros problème des rotations. Ouais, ouais, ouais. Après, c'est quand même statique. Hein. Orly là sur les attaques, il y en a une qui se déplace. Après, derrière, c'est. Voilà. Ah, ben là, pour le coup, ouais, elle était toute seule. Donc en effet, là, on défendait trop loin. On a défendu l'aide côté ballon, il ne faut pas le faire. Allez, c'est typiquement le genre de fille qui peut prendre un peu feu là. Allez, Cassandre là, qui ouais, ouais, le chemin est libre. Elle ressort là pour Oumu au milieu de la raquette. Et ouais, Oumu qui est obligé. Oh, Oumu qui est obligé d'aller prendre le shoot. Et qui trouve une planche. Elle a la balle dans les mains. Le coach d'Orly est pas du tout d'accord avec le shoot. C'est-à-dire que le coach d'Orly pense que le ballon est parti trop tard et l'arbitre lui donne raison. Donc le shoot est refusé. Ouais, ouais. Et là, la décision est retournée. C'est un peu étrange. Du coup, Quentin Buffard est pas content du tout, du coup, pour le coup. D'autant plus que c'est la table en fait qui a indiqué à l'arbitre. Et le jeu a repris. Interception. Danny Williams. Le remercier. Allez, Cassandre qui ressort. Ouais, on cherche Oumu Touré là dans la peinture. Et ouais, ça prend à deux Oumu. Et encore une fois, avec la faute. C'est ce que réclame Oumu, avec la faute. Et ouais, ça revient très vite là du côté Orly. Des shoots rapides et voilà. Vous avez dit, Olga Vassilienko. Là, les filles, elles sont en train de rentrer dans le rythme. Elles rentrent dans le rythme. Et ça peut faire mal. Parce qu'elles ne vont pas se poser de questions. Et Oumu, là, qui vient encore chercher une situation difficile dessous. Et qui rate. Et on revient vite, encore une fois. On est sur le rythme, là pour l'instant c'est vraiment Orly réaccélère toutes les balles et PDVC est tranquille, amène la balle en bas et va chercher un tir par-dessus les bras dans à l'intérieur via Oumu Touré. Allez, la grosse bagarre pour la position en dessous, ouais, bien coupé, il va rester 4 secondes, allez, Olivia Yann, la bonne interception. Qui relance la balle, très bien, qui provoque, très bien. Bonne accélération d'Oli là. Et ouais, Orly qui est revenu là, à force de mettre des 3 points, qui est revenu à 3 points. Elles sont complètement revenues dans la partie. Allez Oli, il faut marquer ces paniers là, très bien. Ça valide, c'est une bonne action du coup là, validée par 2 points. Ouais.
toute seule, on défend trop loin. Et voilà. Emilia Orengue là qui vient mettre le 3 points pour combler. Ces Orlésiennes là, il ne faut pas les laisser seules à 3. Laure pour la réponse. Ah, dommage, allez, rebond au Moutoué, très bien. Oh, qui rate le petit tir là de remise dedans. Gros temps fort là pour Orly. Et qui cherche à emballer le match forcément. Et ouais, elles prennent. Ouais, heureusement, on récupère le rebond défensif du côté Boironnais. Et voilà, Cassandre là, très bien, petite passe pour Olivia. Oh, Oli. Allez, on remet tranquille, 13. Marine, en bonne gestionnaire là, qui remet tout le monde dans le timing. Voilà, elle va chercher, provoquer. C'est bien, on revient, il faut prendre le tir. On est obligé, très bien. Allez, Laure. Il restait 2 secondes au chrono, elle était obligée de le prendre ce tir là, un peu casse-croûte, mais elle le met dedans, ça fait du bien à Boron. Et ça drive là, on vient, on cherche encore les solutions à 3 points là du côté d'Orly. Orly qui a corrigé ses quelques défauts, on peut voir sur la remontée de balle, notamment la 24 qui empêche la défense de l'or avec un écran sur toute la remontée de balle. Ouais. Et Orly qui a également compris que le PVVC servait notamment du jeu de coupe et qui empêche toutes ces coupes grâce à une défense plus imposante que son premier quart. Allez, changement. Oumoutouré a laissé sa place à Fabienne Constant. Allez, on défend très haut du côté Boronnais. Très bien, Fabienne là. Ouais. Du coup, on s'est oublié. Heureusement pour les Boronnaises, maladresse du côté Orly. Orly qui pousse au tir extérieur. Ouais, elle laisse tirer. Hein. Elle laisse tirer exactement. Encore un début de rotation. Ouais. Pas sanctionné cette fois-ci. Allez, tout de suite, Cassandre qui prend ce petit tir rapide. Qui fait du bien. Qui fait du bien. Allez, défend. Allez, ça coupe tout de suite. Et ouais. On vient chercher là les bacs d'or. Bien fait hein, du côté d'Orly là. Dans la lecture, on exploite la moindre faille. Ok. Allez, 4 secondes. Laure, bon tir. Allez, rebond Orly, très bien. Ouais, ça se bagarre, très bien. Et temps mort du côté Orly. J'ai regardé les filles d'Orly là sortir du terrain. Il y a quand même pas mal de fatigue sur les visages. Tout le monde souffle un peu là. Il y a une séquence où quand même elles ont bien couru. Elles ont bien couru. Le jeu est assez stéréotypé en fait. Je suis en train de réfléchir là à ce que je suis en train de regarder. Mais c'est vrai que le jeu est assez stéréotypé. Parce que d'un côté, on a une équipe là qui joue très simple en une ou deux intentions sur les premières ou deuxièmes intentions. Donc du coup, qui accélère le rythme de la balle tout le temps. Et une autre équipe en fait qui joue beaucoup plus sur l'ensemble du chrono, sur les 24 secondes. Et qui arrive à trouver des décalages, mais par contre, qui n'exploite pas assez ces décalages. Enfin, en tout cas, on ne met pas dedans du côté Boironnais. Pour ses aides, ses rotations, et qui devrait être plus dur dans la raquette parce qu'on veut
notamment venir bumper ouais, sur le milieu. Parce que sur le milieu, on ne peut pas laisser les filles comme ça partir directement au cercle. Allez, c'est reparti. Alors, Anif tout terrain du côté du PBC. Freinez la remontée de la balle. Ouais. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? L'arbitre n'est pas satisfait du tout du fait que les pom-pom girls passent devant la table. Bon. Anecdote. L'arbitre relance le jeu à 4-30. Ouais. On repart là avec cette défense tout terrain du côté baronnais. Ouais, on vient de changer du coup. Ouais, ça joue sur le mismatch. Bien l'or qui se jette. Bien. Et heureusement qu'elle attrape ce ballon parce que sinon elle est toute seule de l'autre côté. L'aide côté ballon, c'est très compliqué parce qu'on laisse la passe facile. On laisse toujours la passe facile. Du coup, c'est pour ça que généralement, on vient pas sur l'aide côté ballon. Et c'est bien joué ça encore de la part d'Orly. Malheureusement pour elle, ça va pas dedans. Une Orlysienne à terre. Ah oui. Elles sont quatre là, les Orlysiennes là. Ah ouais. Alors ouais, c'est la règle hein, du basket, tant que la balle est en jeu, même s'il y a quelqu'un qui est au sol, on doit jouer. Dès qu'il y a un temps mort, là on peut arrêter. Donc là, il y a eu sur le tir, on arrête. Et donc, Paloma Boots là, qui à mon avis est tombée sur le rebond là. Elle a essayé de se battre sur le rebond offensif. La tête a dû cogner un peu sur le parquet. Et bien sûr, José qui doit officier du coup. Les super-héros, c'est en train d'exciter tout le monde là en ce moment. Est-ce que l'arbitre, c'est la deuxième fois? Et voilà, le jeu va pouvoir reprendre, c'est parti. Remontée de terrain, Laure là qui vient empêcher la remontée facile. Encore une fois là, les Orlysiennes. Transfert, on vient chercher de l'autre côté. Très bien, avec le mismatch, et ouais, du coup Fabienne est obligée de venir, ça libère des espaces. C'est bien joué du côté d'Orly là, on oblige une petite à défendre sur une grande au fur et à mesure des pics pour changer. Et du coup après on crée des décalages à partir de ça. Allez, 5 secondes, il faut trouver un tir. Allez Fabienne, il faut monter cette balle, et ouais, sur l'agressivité là, les Orlysiennes. Et attention, et oui, là elle va pas se poser. Et ouais, bien provoqué, une faute bien provoquée ça. J
Jarlène Spasojevic là. Du coup, l'avantage qu'elle ait raté tous ses 3 points au début, c'est qu'elle a pris beaucoup de tirs. Donc maintenant, les Bohonais s'attendent à ce qu'elle les prenne, en fait, ces tirs. Et donc là, Cassandre s'est fait avoir. Elle vient, elle feinte. Cassandre saute et du coup, elle peut partir sur le drive, provoquer la faute. Puisque, pour une fois, on est venu aider. Elles sont sur un bon temps là, hein. Les Orlysiennes, elles font un jeu simple, elles sont sur un bon temps. Un jeu simple en défense, un jeu simple en attaque et en défense, c'est un jeu très dur. Très rude. Elles sont remettues en place, on croit que personne ne peut rentrer dans la raquette. Bien, Fabienne là qui vient de loin, ouais. Qui permet de prendre le rebond offensif là pour Cassandre. Mais ouais, Laure qui vient défiler dessous. Très bien Laure, très bien ça. Très bon drive. La solution vient certainement de là, hein, puisque les aides sont très loin du côté d'Orly pour venir boucher la périphérie de la raquette. Allez, la Marine qui met la pression, et ouais, ça remonte haut là. Oli là qui défend fort jusqu'au milieu du terrain. 5 secondes et ouais, fadeaway. Le fadeaway est raté. Ouais, alors encore une fois, bonne feinte. Oh dommage là, c'était bien fait ça. Et ça revient tout de suite. Tout de suite là. Ouais, il faut se remettre. C'est forcé du côté d'Orly. Allez, 19 secondes. Il faut prendre un peu ses esprits du côté Boironais. Voilà. Marine en bonne gestionnaire de la balle. Voilà, et Cassandre qui revient, qui accélère. Laure toute seule à 3 points. Oh, c'était une belle occasion ça quand même. Allez, et là ça y est, ballon perdu, bien, belle relance, hop, 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 hop. Ah ouais, alors là s'il n'y a pas anti-sportive. Ah, elle est libre, hein, le couloir est libre et la fille est derrière. Et il n'y aura que deux lancers, ok. Il estime qu'elle est passée devant et qu'elle a fait l'effort. En tout cas, c'est bien là, c'est une des premières contre-attaques, là. Une relance rapide de la balle de la part du PBC. Allez, une minute, il nous reste une minute pour faire la différence, là, creuser un peu l'écart. Allez, très bien. Allez, très bien ça Marine, 2 sur 2. Allez, il faut un stop là, il faut un stop pour les Bohonaises. Récupérer cette balle. Pour créer de l'écart. Allez, bonne défense là, Oli. Ouais, on met la pression sur la porteuse. Et on empêche les balles faciles, les passes à une passe. Très bien, ok. Airball. Et ça relance vite, et c'est ça. Voilà, très bien. Plongeux simple. Oh là 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 là, quel dommage. Plongeux très simple là, relancez vite. On y était, les filles sont là. Il faut conclure ces actions là. Ça, c'est des points qui coûtent cher à la fin des matchs. Allez, 33 secondes. Encore une bonne défense. Faut pas prendre là. Et la Cassandre là qui cherche la balle. Bien Fabienne là qui empêche l'accès facile à Aïcha, Sidibé, le vieux. Très bien. Grosse défense de Fabienne qui récupère le rebond. Il reste 10 secondes. Il faut un tir là pour les Bohonaises. Et l'arme fatale. Ah dommage. Denis là.
Elle est exactement dans son rôle. Très bonne passe. C'est dommage, elle rate le 3 points. Une partie de basket acharnée. C'est le premier mot qui me vient. Une partie de basket acharnée. Les deux côtés là, des équipes qui jouent sur leurs points forts en fait. Qui jouent sur leurs points forts. Et Voiron qui est un peu en dessous. Quelques erreurs en défense. Et surtout la finition à mon avis. La finition là sur les shoots qui font qu'on se complexifie un peu la tâche. Mais bon. C'est quand même 8 points d'avance à la mi-temps. Voilà. En sachant que Orly est dans ses standards. Hein. Parce que comme je vous disais, ils marquent 60 points en moyenne par match. Donc là, elles sont à 27. Donc elles sont dans leur standard. Allez, on va vous laisser souffler. On va nous aussi aller boire un coup. Et on vous retrouve pour la deuxième mi-temps. Allez, à toutes.
tranche de pain et il t'a mis toute la charcuterie du truc. Parfait, merci. Retour. Retour à Chautard pour la reprise pour cette deuxième période. Je disais à Céline là, pendant que nous nous restaurions rapidement,
que je pense réellement que là, si le PBC est capable de marquer tous ses shoots ouverts, elles vont se simplifier très 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 largement la tâche face à cette équipe d'Orly qui ne démérite pas, hein, qui un peu comme la semaine dernière profite de toutes les défaillances. Dès qu'il y a un écart, elles s'engouffrent à l'intérieur, elles ne cherchent pas trop à comprendre. Et elles ont raison. Allez. Les Baronnaises sont concentrées là, on voit beaucoup de concentration là sur les visages. Bon match, bonne deuxième. Beaucoup de concentration là sur les visages baronnais. Un public en folie, on peut le dire, en folie. Ah, Céline a fait une tête bizarre quand même. Non, le public n'est pas en folie complètement. Et puis on espère pas d'incident de super-héros cette fois-ci. Ouais, exactement, ouais. Pas de super-héros qui passe par le toit ou autre là, qui arrive sur le parquet, sinon on va être embêté. Allez, plus sérieusement là, il faut qu'on y retourne. Revenir avec les mêmes intentions là pour les Baronnaises avec la finition en plus. Il y a une bagarre psychologique là qui va être aussi importante en début de quart-temps là. Pour l'équipe qui va réussir à mettre son rythme et à mettre dedans là. À mon avis, il va prendre un ascendant. Allez, Orly qui tarde un peu à sortir de son banc.